Après 7 années de mariage, le couple Kim Kardashian et Kanye West a décidé de se séparer. C'est Kim qui a pris l'initiative de demander le divorce en février 2021. Kim, la star de Keeping Up with the Kardashians, 40 ans, a reçu un message fort de sa mère. Le môme âgé a partagé les expériences acquises de l'échec de ses mariages à sa fille Kim. On pense notamment à sa séparation avec Robert Kardashian, le père de Kim en 1991. D'après Kris Jenner, la partie la plus importante d'un mariage ou d'un divorce est de faire passer les enfants en premier. D'ailleurs, Kris s'est exprimé concernant le divorce de Kim et Kanye dans l'émission The One du C Magazine présentée par Mi Teresa. Je pense que la chose la plus importante que j'ai apprise à travers mon expérience, mes deux expériences, est que les enfants passent en premier, a déclaré Kris à l'émission. Les enfants avant tout. Rappelons que Kris Jenner a partagé ses 4 enfants avec Robert Kardashian, à savoir les filles Courtney, Kim, Chloé et le fils de Rob. Par la suite, elle a partagé 2 enfants avec son ex Caitlyn Jenner, Kendall et Kylie. Si vous gardez cela à l'esprit et que vous savez qu'ils vont vous aider, l'amour va vous aider, vous savez, peu importe à quel point vous souffrez. J'avais l'habitude de mettre tout le monde au lit, puis j'étais bouleversé et j'allais dans ma chambre pour pleurer jusqu'à m'endormir. Mais je ne voulais pas m'apitoyer sur mon sort devant les enfants, a-t-elle confié à l'émission. La nouvellement nommée milliardaire partage également 4 enfants avec Kanye West, à savoir North, Chicago, Saint et Sam. Le rappeur a pris du temps pour répondre au divorce en pensant que Kim changerait Davis. Récemment, il a donné sa réponse et a également demandé la garde légale et physique conjointe de leurs enfants.